Nora. Bonjour, monsieur. Bonjour. Monsieur Rafa ici. Ralph, Nora, rassure-toi qu'il soit allé. Je suis bloqué dans les embouteillages. Je serai là bientôt, ok? D'accord, monsieur. Monsieur, j'ai reçu un appel d'un agent déclarant. Et il a dit qu'il y a une erreur dans l'un des documents présentés. Alors, il n'a pas pu procéder à un poste. Il a plusieurs fois essayé le numéro, mais la ligne n'a pas été joignée. Ok, tu sais quoi, je l'appellerai moi-même. Et Nora, s'il te plaît, hein? Le diesel. As-tu acheté le diesel? Non, monsieur, pas encore. Ok, j'attends un appel de Glasscom. Et rassure-toi que Mika va à la banque, ok? Je suis en retard là et... Rassure-toi juste qu'il va à la banque. Et qu'il commence avec le processus des papiers, d'accord? D'accord, monsieur, d'accord. Ok, je te verrai bientôt, d'accord? D'accord, monsieur. Chérie. Ça fait depuis que je t'appelle. Avec qui parlais-tu? Chérie, calme-toi, tu sais que je suis en retard. Il n'a pas toujours répondu à ma question. Jerry, avec qui parlais-tu? Nora. Pourquoi es-tu calme? Je voulais juste savoir à quel niveau es-tu arrivé. Je suis encore bloqué dans les embouteillages. Je suis pas encore arrivé au bureau. Qu'es-tu en train de faire? Rien. Et une bonne journée. Je t'aime. Au revoir. Ah. Je t'aime aussi. Bonjour, monsieur. Bonjour, Nora. Oui, monsieur. Oui, Ralph. Il est là, dans le bureau. Ok. Peux-tu, s'il te plaît, m'apporter mes affaires? Bien sûr, monsieur. Et as-tu reçu un appel de Glasscom? Non, monsieur. Non, monsieur. Ils n'ont pas appelé. Ok, apporte mes affaires. D'accord. De rien, monsieur. Il s'appelle James. C'est un avocat. Et il fait exactement ce que je veux. Qui ne connaît pas James dans cette ville, Ralph? Il est le côté secret des autres gars. Et si tu veux savoir mon avis, il se joue de toi. Et je peux parier que tu penses que l'avoir rencontré est une coïncidence. Oui, bien sûr. Et quoi s'il essaie juste de m'aider? Excuse-moi. Chérie, je suis dans une réunion, je te rappelle dans quelques minutes, d'accord? Ralph, c'est pas que je veux pas t'aider. Tu es sur le point de faire une grosse affaire avec le diable. Jerry, il a certains plaisirs lorsqu'ils sont offerts. Ce serait un crime de les rejeter. Quand c'est accepté, ça se transforme en amitié. Alors tu pensais pour cela que je t'ai contacté? J'ai recherché un ami. L'ami qui est en toi, Ralph. Je suis sûr qu'il n'a pas l'intention de jouer toutes ses cartes en même temps. Tu es plus intelligent que ça. Ne sois pas ridicule. Fais-moi confiance, frangin. Ceci n'est qu'une plateforme de conversation pour un peu d'information. Et c'est sécurisé. Ralph. Jerry, sois patient. Sois seulement patient. Bien, j'imagine que... la patience n'est pas l'une de mes vertus. Elle est l'une des miennes. Je peux voir que tu as déjà trouvé une solution. Tu as déjà pris ta décision. Alors pourquoi me la porter alors?
Jerry, tu sais, c'est parce que tu es mon ami. Et tu sais, même dans mon obstination, j'ai toujours besoin de ton approbation. Ton approbation. Tu ne l'as pas. Excuse-moi. Qu'est-ce qui va pas? Bébé, tu as dit que tu me rappelais dans 5 minutes. Mais je t'ai dit que j'étais en réunion. Quelle réunion? En réunion. Quelqu'un vient de rire là maintenant. Bébé, avec qui tu es? Mon mari couche avec toutes celles qu'il voit avec une jupe. Qu'est-ce que cela te dit? Que des hommes sont des chiens? Je suis fatiguée d'entendre cette phrase boumérante des hommes. Est-ce que quelqu'un ne peut pas avoir une autre inspiration pour décrire les hommes? Alors qu'est-ce que tu insinues? Que le tien est un saint? Je n'ai pas dit ça. Juste apprenez à faire un peu confiance aux hommes. Si ton mari te trompe, c'est parce que tu n'as pas de bonnes manières pour le tenir. Le mien est un saint. Mmh? Il me respecte et il ne me trompera jamais. Histoire venant de Dieu. Régine. Régine! Ah, sérieusement? Ah non, j'ai écouté votre conversation. Tu as dit que ton mari est un saint et le tien un chien. Il y a quelque chose que je voulais faire pour mon mari. Tu vois pourquoi je n'aime pas accepter les invitations de Regina? Regina, qu'est-ce que cela signifie? Chief, je suis vraiment désolée. Votre gardien ne permettra pas que je suis vraiment désolée. Je lui ai donné cette instruction, mais vous m'harcelez et je ne trouve pas ça drôle. Chief, je suis désolée. Si je me suis comportée comme si je vous harcelais. Mais tu sais que je n'arrive pas à vous trouver, vous êtes difficilement là. Et en plus, vous ne prenez plus mes affaires. Et, oh, Chief, je vous en supplie. Tout ce que je vous demande, c'est que faites-nous votre distributeur, nous ne vous décevons pas. Mais vous ne travaillez pas dans cette société. Oui, j'ai appris que c'est votre mari. Ah, Chief, mon mari et moi sommes un. Nous travaillons ensemble. Ok, déplacez votre voiture. Hein? J'ai dit, déplacez votre voiture. Mais Chief... Déplacez votre voiture. Regina, je serai au bureau demain. Et j'espère que vous pouvez livrer. Hein? Chief... Oh non, pas de problème. Chef, pas de vous problème. Ne comprenez pas, je jure. Non, on se verra vous demain. Vous n'allez pas le regretter. Merci. 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 Chief, Chief, que Dieu vous bénisse. Ok. Oui. Je vais pas essayer d'être impoli là ou alors être incorrect. Je ne me querelle pas avec toi, mais ça signifie quoi ce show qui est à l'extérieur là? Cette sérénade là? Bébé, tu sais combien je t'aime, n'est-ce pas? De quelle autre manière vais-je te prouver que ce petit charré de divertissement? Bébé, tu sais que tu es la femme la plus dramatique au monde que j'ai rencontrée. Je t'aime. Tout juste. Bébé. Je t'aime, bébé. Allez, voilà. Edmond et Paul.
Ils viennent faire de toi leur distributeur. Ils voudraient que tu ailles lundi signer le contrat. Wow! Bébé, écoute-moi. Tu n'es pas juste dramatique, mais tu es vraiment créative. Et en fait, tu es la raison pour laquelle cette maison, cette demeure tient. En fait, ça nécessite vraiment une célébration. Attends que je nous prenne des verres. Hey. Mais entrez, entrez. Ouais. Hey. Non, non. Ah. J'ai besoin de plaire à mon mari davantage. Je dois faire des choses intrigantes, des choses excitantes, vous savez. Peut-être je dois faire un pique-nique pour nous deux. Qu'en pensez-vous? Régine, cette obsession pour Jerry augmentait de jour en jour. Qu'est-ce que tu as lui fait plaisir? Est-il aussi prêt? Écoute, c'est là où je ne suis pas du tout d'accord avec toi. Tu vois, dans le mariage, on a besoin de certaines activités pour savourer le mariage. Pour y mettre la vie, le bouillonner et le rendre actif. Ces choses que nous faisions à l'université, ces choses de notre jeunesse. Vous savez, ma chère, je crois que tu dois prendre quelques congés. En quoi est-ce que cela t'intrigue? Écoute bébé, cherche juste un restaurant chic, va là, mange, amuse-toi et détends tes os. Oh, merci. Tu t'es battu et tu t'ennuies juste comme sonne ton nom. Au lieu de manger, de prendre du poids comme quelqu'un ici le suggère, ma chérie, je crois que tu dois nous amener danser. Oui! C'est ça. J'ai la parfaite idée. Et si j'allais dans le studio pour chanter? Qu'en pensez-vous? Je ne discute pas. Je ne dis pas que vos discussions n'ont pas de sens. Mais faire des choses qu'ils attendent naturellement de nous. Mais comme je ne suis pas Beyoncé, et je... De quoi est-ce que tu ris? C'est pas amusant. Non. Sérieusement, non. C'est une chanson originale de P-Square. Mais je la refais pour exprimer mon amour pour toi. J'espère que tu l'aimes. I'm begging you, babe. I'm begging you, please, baby.
Je suis là pour te rappeler que je te l'avais dit. Mais à quoi t'attendais-tu? Il t'a trompé avec ta ménagère. Merde, ça c'est épouvantable. Au moins, mon mari me donne du respect. Du genre de fille avec qui il me trompe. Des top modèles. Des femmes de classe, vous savez. Mais qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Est-ce que les hommes sont supposés prêcher? Je m'étonnais que cette bâtarde n'avait plus de respect pour moi. Parce qu'elle couchait avec mon œuf. Régine, je te l'ai subi et enduré tous les prix pour notre mariage. Je sais pas. Je sais plus quoi faire. Je suis si confuse, je ne saurais pas comment le gérer. C'est quelque chose. Je croyais que c'était un homme bon. Je croyais qu'il n'allait jamais me tromper. Mon Dieu. T'inquiète pas. T'inquiète pas, s'il te plaît. Laisse-moi pleurer, mon cœur est brisé. Mon cœur est brisé en morceaux, ça me détruit, ça me tue. Serveuse, d'autres boissons, s'il vous plaît. Bébé. Bébé. Et si on s'amusait cette nuit? La manière dont nous allons le faire. Je voudrais que... sens dans ta poubelle. Ok. Fais très attention. Je te regarde. Si. Je vais me jeter d'un immeuble vraiment très haut. Et je conduirai mon corps jusqu'à la mer. Ceci sera après que j'ai mis un couteau croix dans ton cœur. Juste là, oui. Cet endroit, oui. Thierry, si je découvre que tu couches avec la ménagère. Si je découvre que tu couches avec ta secrétaire. Je vais simplement te tuer. Est-elle malade? Est-elle malade? Sérieusement, elle a dit ça? Tout ça sans un remords. Mais que j'ai peur. Je commence à avoir peur pour ma vie maintenant. Regina, si tu avais vu Regina, mec, tu ne crois pas que c'est la Regina que tu connais. Elle est maintenant comme une maniaque ou quelque chose comme ça. Hein? Me menaçant et... je sais pas, mec. Je peux imaginer par quel stress tu es passé pour pouvoir monter ce stupide show, je sais pas trop quoi. Et tu l'as annulé. Putain, je rêve d'avoir une femme comme la tienne. Mec, c'est pas amusant. Désolé. Je sais que c'est pas amusant. C'est pas tous les jours qu'on voit des femmes qui veulent plaire à leur mari. Mais là, tu y es. Et maintenant, t'as la grande opportunité à tes pieds. Me faire plaisir. Me faire plaisir. Avec Regina, ça ressemble plus à un piège. Et je commence même à m'inquiéter parce que ça va s'empirer. Elle ne fait que faire des choses stupides de jour en jour. Ah, allez. En fait, je pense que tu commences à en faire un peu trop. Mais lorsqu'elle fera encore ce genre de scène, pour le bien de notre amitié, pour le bien de notre fraternité,
Pour mon bien, Jerry. S'il te plaît. Prends ton pied. Ne cherche pas à te marier, je t'assure. Santé au Freaky Weekend. Baby. Je peux t'emprunter ton téléphone? Je veux passer un appel. S'il te plaît. Merci. C'est quoi? Qu'est-ce qui va pas? Je t'aime, bébé. C'est demain que je rentre. Vraiment? Jerry. Bébé, s'il te plaît, viens relire. La fille vient juste d'envoyer un autre message pour se corriger. Lis. Désolé, monsieur. Erreur de personne. Erreur de personne. S'il te plaît, lis-le. Vous pensez peut-être que je suis folle. Tu parles de quoi? Vous pensez peut-être que je suis folle. Jerry. Oh. Écoute, Regina, je refuse de tomber dans ton chantage cette fois-ci. Tu sais très bien que ceci ne signifie rien. La fille a fait une erreur et elle a corrigé son erreur. C'est un mensonge. C'est un mensonge. Alors, Regina, tu es en train d'insinuer que je couche avec Nora. À toi de me le dire. Non, ma secrétaire c'est Nora. C'est toi qui travailles avec elle, dis-moi. Regina, ne sois pas bête. Tu penses que ce n'est pas les choses que tu fais? Parce que je les ai ignorées? T'as passé ton temps à lire mes messages BBM? Tu as effacé mes contacts? Tu penses que c'est pas ça? Hein? Oh, alors tu es surprise maintenant. Hein? Tu as les mots de passe de mes comptes Twitter, mon Instagram, tous mes comptes, tu as mes mots de passe. Tu penses que je suis pas au courant que tu es celle qui passe son temps menacée des filles innocentes? Tu penses que je sais pas ça? Je me suis juste tué, pourquoi? Parce que je t'aime. Ne force pas ma patience, s'il te plaît. S'il te plaît, Regina. Ne me pousse pas à bout. Ne le fais pas. Ça veut dire quoi, cette bêtise? Où penses-tu vouloir aller? Hein? Trompeur. Regina, s'il te plaît, je vais aller marcher un peu. J'ai envie de sortir, me vider la tête, avant que je devienne fou dans cette maison. Ok. Tu veux marcher un peu? Ok, ça tombe bien, je suis déjà habillée. Allons marcher ensemble. Regina, tu sais que tu as la raison pour laquelle je sors de cette maison. Pour mieux me reposer et aller au travail demain. Mais à cause de toi, je vais aller marcher un peu avant de devenir fou. Alors, s'il te plaît, laisse-moi partir. Je supplie, non, s'il te plaît, laisse-moi partir. Bien. Regina, s'il te plaît, non. Tu n'iras nulle part. Tu sais ce qui est bien pour toi. Va te laver et va dormir. Tu n'iras Regina, nulle part. Regina, pourquoi? Ok, je vais plus nulle part. Reste donc pointé là à la porte. Les hommes! Regarde comment tu allais vite t'asseoir. Oh, tu penses que je sais pas que tu vas aller voir ta copine? Trompé. Il faut partir. On s'asseyera ici ensemble. Oh. Aïe. Dieu merci, j'ai pas de ménagère.
Madame, vous ne m'avez pas encore donné tu es ma vie. Fou? Non, non. Oh, Dada, ne t'ai-je pas payé? Oui, madame. Mon mari est rentré? Non. Et tu veux manger? Oui. Tu n'es qu'un idiot. Allez, dégage-le. Quelle est cette stupidité? Hein? Je suis supposée attendre. C'est qu'on va voir. Qu'est-ce qui ne va même pas avec l'image? Regina, ouvre la porte. Tu es maintenant venue chez moi, n'est-ce pas? Bien, retourne chez elle. Repars de là où tu viens. Regina, j'ai dit ouvre la porte, s'il te plaît. Ouvre la porte. Tu oses me m'appeler par mon nom. Sans ton graisse. Jerry, retourne peu importe d'où tu sors parce que je n'ouvrirai pas cette porte. C'est quoi ces conneries? Allô, papa. Que veut dire ceci? Signification de quoi? Ton mari vient juste de m'appeler. J'espère que tu n'as pas cru à ces mensonges. Qu'a-t-il fait pour mériter ce manque de confiance? Papa, Jerry sort de la maison d'une femme. À cause d'une autre femme, il a refusé de prendre mes appels. Comment pouvais-tu penser ainsi? Moi-même, Jerry et son père regardaient le football. C'est la raison de son retard. Oh mon Dieu. Oh. Papa... Je vais l'appeler maintenant. Je savais pas. Avant de faire cet appel, tu dois bien faire les choses. La confiance est très importante dans le mariage. D'accord. Dégagez de la route! Allez,
qui veux-tu toucher avec ces sales mains? Où crois-tu aller? Arrête! Où crois-tu aller? Arrête! Chérie, j'ai dit arrête! Chérie, dis-lui où? Dis-lui de laisser mon fils tranquille. Si je te vois, si je te vois n'importe où près de mon fils, tu vas ressentir la colère d'une mère. Je veux dire, tu vas ressentir ma colère. Je vais devoir parler à ton père. Cette union n'a plus notre approbation. Et prie. Prie pour que rien n'arrive à mon fils. Mon chou, comment vas-tu? Les fleurs. Oh, elle le veut mort. Elle te veut mort. Ça ne lui réussira jamais. Régine, je sais que tu es là. Sors de ta cachette. Entre. Maman, s'il te plaît. Maman, pardonne-moi. Viens. Mon fils ne veut plus de ce mariage. Regarde, il a envoyé ce message juste avant l'accident. Et avec tout ceci, ce n'est pas conseillé pour vous de continuer avec ce mariage. Si tu étais à ma place, que ferais-tu en tant que mère? C'est évident que ce mariage ne marche pas. Sa main vient de bouger. Est-ce que tu vas bien? Ça bouge. Ça bouge. Sa main bouge, n'est-ce pas? Oui, oui. Le docteur, appelle le docteur, vite. Fais vite. Oh, ok. Maman, j'appelle le docteur. Docteur. Mon frère. Adonetche. Oui. Vous êtes le bienvenu. Merci. Mais beau, vous êtes le bienvenu. Monsieur Jerry, as-tu réfléchi de nouveau sur le fait de reprendre la dot que tu as payée pour ma fille? Oui. Oui. Il veut ça. Es-tu, monsieur Jerry? Mon ami, taisez-vous. Es-tu sûr? Il est très, très sûr. Il a cet adage qui stipule que
L'on ne tire pas ce qui n'est pas le sien avec ses deux mains. Allez, il faut prendre ça. Madame, on y va. Jeune homme, lève-toi. On y va. S'il te plaît. S'il te plaît. S'il te plaît, belle-mère. Égoué. Maman. Ça va, ma fille. Ça va. Regina. Je suis désolé que ça finisse comme ça. Je te souhaite de trouver à nouveau un homme. Et que tu deviennes... Et que tu deviennes cette femme décrite dans cette lettre. Ça va aller, ça va aller. S'il te plaît. Ça va aller, ça va aller, ça va aller. Ma fille, ils ont mangé plus qu'ils ne peuvent mâcher. Ils ont mangé plus qu'ils ne peuvent mâcher. Y a-t-il autre chose, monsieur? Oui. Ça, c'est l'un de ces derniers objets. Ok. Alors, c'est sa photo, tu sais. Tu sais, c'est moi qui lui ai demandé de se vêtir comme ça pour cette photo, tu sais. Il y a quelque temps, tu sais, elle était si jolie. Oui. J'espère qu'elle va bien. Ouais, elle est bien. Je dois partir maintenant. Ok. Pardonne-moi, je me suis emporté par les émotions. Je comprends. Ok, salut tout le monde de ma part, ok? Je ne manquerai pas. Bonne journée. Joe. Oui. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Salut juste tout le monde de ma part. D'accord. Joe. Oui, un problème? Merci juste, ok, merci. D'accord. Ouais. Bonne journée. Merci. Regina, pourquoi est-ce que tu te fais tout ceci? Tu es encore ici en train de pleurer. Tu dois arrêter. Tu vois, à ce niveau, je crois que tu as besoin des vacances. Des vacances pourquoi, maman?
Ma vie est finie. Ta vie ne s'est pas arrêtée parce que ton mariage est fini. Maman, pourquoi mon mariage s'est arrêté? J'adore tellement mon mari. Je mourrai sans foi si je me rends compte que quelque chose lui est arrivé. Il est ma véritable raison de vivre. Je l'adore pratiquement. Maman, je ne sais pas quoi faire là maintenant. Si tu m'éloignes de toi, je pourrais peut-être me suicider. Tu ne dois pas dire ça. Tu vois, avec cette attitude, tu ne pourras pas aller à un autre cap. Tu as commis une erreur. Au lieu de rester assise ici à pleurnicher, tu dois véritablement assumer tes actions et lire la lettre. Je ne lirai pas la lettre. Je suis une très bonne femme, je le sais. Si Jerry ne le voit pas, alors c'est pas de ma faute. Tu dois lire la lettre. Mais si tu penses que tes actions sont justes, il n'y a pas de problème. Mais je ne peux rien faire. Je suis en train de sortir à présent. Je reviendrai bientôt, ok? Rester assise là sans rien dire. Tu auras au moins pu parler de ça. Fais-moi savoir. Qu'est-ce que le mariage sans conscience? Qu'est-ce qu'une maison sans une femme? Que suis-je sans toi? Tout ce que j'ai toujours désiré, c'est de rentrer à la maison avec une femme aimable et pacifique. La femme que tu étais me manque. Tu as bonne mine. Où étais-tu? Je me bats comme ça. Je peux pas dire que ça allait si fort, mais j'ai essayé de me battre sans toi. Ouais. Et le travail? Le travail, ça se passe bien. Je peux dire, nous nous sommes battus pour ouvrir quelques autres stations de distribution. Et
Tu sais, le deal, que nous avons sécurisé avec Edmund Coles a évolué et nous avons continué à leur faire des livraisons. Ouais, pour le travail, je pense que la compagnie a évolué un peu plus. Merci. Et toi, comment ça va? Tu es splendide. Ce n'est pas pareil sans toi. Tu me manquais. Jerry, j'ai fait une erreur qui t'a presque coûté la vie. Je suis désolée. Je ne ferai jamais rien expressément pour t'oublier. Je ne savais pas que mon attitude allait te pousser à bout. Rien n'a plus été pareil sans toi. Je dois aussi te faire mes excuses. Je n'ai pas été assez un homme. Je n'ai pas remarqué que je te poussais à l'erreur. J'ai permis à mes parents de juste rentrer dans notre mariage et tout détruire. Ils ont pris des décisions pour moi, quand bien même je t'aimais encore. J'ai échoué avec toi. J'en fléchissais maintenant que nous sommes rentrés ensemble. Peut-on tout juste recommencer à nouveau? Tu sais, nous remarier, juste recommencer tout à zéro, tu sais. Je sais que tu m'aimes encore, et je t'aime encore, et je t'assure que je ne peux rien faire sans toi. La maison, elle n'a pas de sens sans toi. Rien dans ma vie n'est à sa place, même pas les ressources de la compagnie, rien ne semble être à sa place. Recommençons tout juste à zéro, remarions-nous s'il te plaît. J'ai besoin de toi dans ma vie. Ça, c'est ce que j'ai toujours souhaité. C'est pour ceci que j'ai toujours prié. Pendant tout mon séjour à l'étranger, je n'ai pas cessé de penser, de croire que ça ira mieux. Mais j'ai réalisé que j'ai un problème à régler. Si je ne règle pas mes problèmes, je reviendrai étant la même femme qui est partie. Et je voudrais être mieux. Je voudrais être une bonne personne pour toi. Une bonne femme. Je voudrais être capable de te laisser sortir et faire confiance en moi-même que tu feras ce qui est normal. Je ne voudrais pas faire une erreur qui va causer ta vie. Je ne voudrais pas revenir à la maison avec mes insécurités. Bien, je sais vraiment pas quoi dire, mais en y réfléchissant, je pense que tu as raison. Tu as vraiment raison et j'ai aussi certaines choses à arranger chez moi. Je dois faire face à mes parents aussi et les laisser savoir que j'aimerais être un homme de moi-même. Je veux avoir le contrôle de ma vie et prendre mes propres décisions. Et j'ai besoin de corriger certaines choses dans ma vie. Alors, aussi dur que cela pourrait être, recommencer notre amitié, c'est pas quelque chose de si difficile à faire. Tu sais. Qui nourrit moi, Dada? Dada n'a pas cessé de pleurer depuis que tu es parti, tu sais. Il mange. Et il pleure depuis. Est-ce que tu sais que le jour où tu n'es pas revenu à la maison, il est venu toquer la porte, madame, tu ne m'as pas encore donné à manger. J'ai failli le tuer. Vraiment. Ah. Oh bébé. Tu m'as manqué.